Bonjour! Aujourd'hui, on est là parce qu'il y a bientôt un an, même plus, je crois. J'étais enceinte. On a fait une vidéo et on n'a jamais fait la suite. En fait, à chaque fois qu'on fait des vidéos sur YouTube, on dit ouais, dites-nous si vous voulez une partie 2. Et après, les parties 2, en fait, on les fait jamais. Donc, du coup, là, on a vraiment décidé de la faire pour de vrai. Et on a dit qu'on allait faire la partie 2 de Marc versus Boumar. En fait, on a fait la partie 2 parce que justement, avant-hier, on a regardé une autre chaîne. On a regardé cette vidéo. On a dit, mais attends, il y a ça. Qu'on fasse une partie 2. Parce que c'était trop bien. On a tellement rigolé. Surtout que moi, dans la partie 1, j'avais pas voulu goûter parce que j'étais enceinte. Il y a vraiment des trucs, ils avaient l'air toxiques. D'ailleurs, pourquoi il y a un paquet de Kinder qui est ouvert? T'avais pas dit faut pas ouvrir, c'est pour la vidéo, je sais pas quoi. C'est ça ton problème, toi. Un petit crudé le matin, hein. Le but, pour ceux qui connaissent pas, c'est que en gros, là, cette fois, c'est Dominique qui va me faire goûter parce que dans la partie 1 qu'on vous met ici, c'était Dominique le cobaye. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est moi qui vais goûter et j'ai trop peur parce qu'en plus, je suis trop compliquée sur la nourriture et tout, mais bon, je vais essayer de faire un effort et je vais goûter les bonnes choses que Dominique a prises. Toi, tu veux commencer par quoi? Du sucré, du salé, du quoi? Fais-moi plaisir, fais-moi rêver. Ok, là. Donc, on va commencer. Non, mais tu peux ouvrir. Hein? Tu peux ouvrir, là, tu peux regarder. Non. On va commencer par celui qui m'a le plus choqué. Là, on a les fameux M&M's, hein. Tout le monde connaît des M&M's, c'est bon, c'est festif, c'est trop bon. C'est familial des M&M's, hein. Et ensuite, pour ceux qui aiment la sous-marque, nous avons les Chocotises. Chocotises familiales. Chocotises, donc, de la marque Carrefour. Hein. On a une bonne petite bande verte qui donne envie. Qui donne envie, hein. Donc, je mélange. J'aime bien mon bandeau, c'est Harry Potter, c'est Edwige. La chauve-souris, non. Comment ça s'appelle déjà? La chouette. La chouette. Donc j'ai les... Ah non, attends. Allez, c'est bon, il les a mélangés. Non, putain. Non, mais non. Oh merde, je suis renversé. Donc on va commencer. J'ai mélangé. Oh putain. Voilà. Donc on va commencer par le vrai. Mais Dominique. Non, je suis pas dedans, Ah, pour enfin savoir, c'est bon, c'était un coup de bluff. Est-ce qu'on a le droit de bluffer dans cette putain de vidéo? On change de truc, Non, non, je l'attends, je veux comment. C'est mort, c'est mort. Tu vas prendre le faux. Non, mais là, tu vas prendre le faux. Bah, tu sais pas. Bah, tu vas prendre le vrai alors. Et bah, tu sais pas non plus. Mais Dominique, c'est nul. Non, vas-y, viens de ça. Regarde. On commence par celui-là. Voilà, goûte. Ça, c'est le faux. L'autre? Bien sûr, ça c'est le vrai. Tu sais pas comment c'est croustillant? L'extérieur il est bien lisse. Là c'était rugueux, mon frère. Hein. Donc pourtant le premier c'était le vrai? Non, le premier c'était le faux. Donc pourtant le premier c'était le faux? Bien sûr. Et bah non, tu mens, le premier c'était le vrai. Et voilà, comment fermer une petite bouche? Une petite boîte? Il ment ou pas? Non, non, j'ai montré le paquet et la tête d'homme c'était un coup de bluff. J'ai commencé par le vrai et la tête d'homme j'ai commencé par le vrai. Non, il y a la vérité, c'était le vrai. Allez hop, donc c'est bon, tu t'es ridiculisé. Allez hop. Putain, mais attends, mais ça veut dire le faux il était meilleur? Putain, je suis choqué. Voilà, pour lui. Voilà, comment fermer une petite bouche, hein, si vous avez... Hein. Non, bah le fouet était meilleur, waouh. Première échec. Ok, je me concentre, parce que là, c'est pas bon. Concentre-toi, frère, concentre-toi. D'habitude, c'est toujours moi qui gagne. Donc, nous allons commencer par le vrai. Je sais que tu aimes beaucoup ce genre de petites friandises. Alors, ici, nous avons des chocobons de la marque Kinder. Des hein. Chocobons, ça, my life. Je peux taper un paquet anti-normal. Entier. Normal. Attends, mais attends. Pourquoi c'est un sapin de Noël, on est en février, bientôt en mars? Les Européens sont toujours en retard. Ils respectent pas. Et ensuite, nous avons les Milk and Nut. Milk and Nut. Putain, ils ont l'air bons ceux-là. Hein. Je vous jure qu'ils ont. Ah, franchement, quand je regarde le paquet, quand je regarde le petit dessin là. Moi, ça me donne envie la crème à l'intérieur. Oui, hein. Exactement. C'est ça qui m'a donné envie. Donc, on verra tout de suite. Tu veux mettre ton bandeau? Bon, on va commencer par celui-là. Hein. C'est le vrai. Ou peut-être celui-là. On sait pas. On sait pas. Mais on va commencer par celui-là, c'est mieux. C'est le vrai. Waouh, ouais, j'ai reconnu l'emballage, Au bruit, genre. Ah, c'est pas le vrai, genre. Ça, c'est le faux. Comment c'est gros, mon frère. On dirait que moi, j'enlève tes packs, wesh. C'est trop gros, wesh. T'es moi, comment c'est gros, on dirait que j'en lapsé. C'est bon. Vas-y, le second, vite, vite, le second. Ça a rien à voir. Quelle est ma destinée? Elle va perdre. La tête d'homme, elle parle trop. Elle a trop la boque. Alors pour toi. Attends, j'ai un doute là. Merci. Le premier. Mais pourquoi moi je les voyais plus petits? Pourquoi moi je les sentais plus petits, les chocolats? Prends demain une petite boisson parce que là j'ai. Putain. Mais parce que ça me paraissait super gros le premier. Putain, c'est dur. Déjà, je suis en train de jouer ma vie. Le putain. Ok, le premier c'est le faux. Et ça, c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mais réponds, vas-y, dis-moi. Et c'est une bonne réponse!
Eh Dominique, je te jure. Moi, t'as douté, tu devrais avoir honte. Non, j'ai douté. T'as douté, tu devrais avoir honte. Pourquoi j'ai douté? Parce que le premier, il était tellement gros. Mais c'est même dans ma main là, je le jette sur une bagnole, la tête d'homme, il y avait un carton. Tu sais pourquoi j'ai un doute? Parce qu'en fait, quand j'ai mangé le premier, je m'attendais vraiment à ce que le vrai, il soit beaucoup plus petit. Et comme il était un peu gros aussi, je me suis dit, mais ouais, c'est chelou. Mais après, je me suis dit, le premier, il était tellement rugueux, bizarre, tellement gros. Bah oui. Je me suis dit, c'est pas possible. Bah oui. En plus, c'était tellement sucré quand je vous dis. Parce que c'est ça qui m'a piqué la gorge. Et l'autre, il était doux. Tu vois, les chocobons commençaient doux. Bien sûr, bien ça, là, sûr. Milk and Nut, là, c'était tellement sucré. Ouais. Ah, gars. Nous allons rebondir dans le breuvage. Ici, nous avons du Iced Tea Saveur Pêche. Très succulent, frais en été. Meilleure boisson. Agréable. C'est l'une des meilleures boissons. Ouais, vraiment. Franchement, je le mets dans le top 3, normal. Dites-nous dans les commentaires pour vous, c'est quoi les meilleures boissons. Ah non, mais franchement, Iced Tea, top 3. Ouais, top 3, normal. Ensuite, nous avons Yanissa de la marque Carrefour. Saveur pêche, toujours. Mm-hmm. On est toujours dans la pêche. Mm-hmm. Du Iced Tea. Ok, Yanissa, donc, tu t'y connais en Iced Tea. Nous allons commencer par celui-là. Tenez, madame, un breuvage. Ok, je sais, c'est bon. Non, tu finis, s'il te plaît. Non. Pas de gâchis. Voilà, donc déjà, c'est le faux. Pourquoi? Je sais. Mais pourquoi? Je sais que c'est le faux. Et puis, donne-moi le vrai seulement, là-haut. Et ensuite... Celui-ci. La forêt, yeah. Verse seulement, verse. Putain, mais à chaque fois, je suis sûre de moi au début. Et après, j'ai un doute. Ah non, ça, c'est le faux. Ouais, c'est acide à la mort. Ça, c'est le faux. Sûr? T'es sûr de toi? Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah ouais, ça, c'est le faux. C'est mon dernier mot. Alors, Yanissa. Mais j'ai un doute parce que tard, tu m'as dit, on finit jusqu'au bout et tout. Donc, je me dis, peut-être, c'est le premier, le faux. Non, parce que je voulais vraiment pas te cacher. Alors, Yanissa. Vas-y, le deuxième, c'est le faux. Le deuxième, c'est le faux pour toi? Et c'est une mauvaise réponse, putain, malheureusement. Je savais. Tu savais rien du tout? Si, je savais parce que... Mais putain, mais je fais tout perdre alors que je savais. Mais c'est une dinguerie, mais quand je l'ai bu, tu vois, quand j'ai fini ton verre, je l'ai bu, j'ai fait waouh, putain, je voulais pas... Oui, parce que je c'est pas bon. Comment t'as fait? Vas-y, comment, bah, on annule et je sais que c'est celui-là, le faux. Je savais, j'ai donné. Quoi? La réponse. Ouais. J'avais raison. Donc tu veux passer à la... Putain, faut que je me reprenne là. Qu'est-ce qui m'arrive? À chaque fois, je sais. En fait, faut toujours écouter sa première intuition. Putain. Ok, c'est bon. Allez. À partir de maintenant, je suis ma première intuition. On va repasser dans l'apéritif. En plus, j'aime pas. Donc vous avons les Ben & Nets 3D Buggles, hein, goût nature, bien évidemment. Et ensuite, nous avons les Carrefour Tubes, hein. Ouais. Pareil, ouais. À l'huile de tournesol, fabriquée en France. Ah, tu vois, déjà, c'est bien. Déjà, franchement, c'est... Hein. On va commencer, c'est... Mais ça, tu suis ta première intuition, vas-y, c'est bon. Nous allons commencer par celui-là. Je vais en prendre aussi pour moi. Et ensuite, celui-là. Les deux sont très bons. Les deux sont très bons, en effet. Mais ok, ma première intuition, c'est que... Le deuxième, c'est le vrai. Donc ça, c'est ta première intuition. Et j'en veux encore même. Je vais en reprendre, tenez. Faut toujours se faire plaisir dans la vie. Comme on perdit, ne te laisse pas abattre. Allez, dis une réponse. Ok, je grince sur ma réponse. Le deuxième, c'était le vrai. Le deuxième, pour toi, c'était le vrai? C'est ta dernière réponse? Es-tu sûr, Yanissa? Ok, non. Le premier, c'est le vrai. Le premier, c'est le vrai, t'es sûr? Yanissa, on n'est pas en train de jouer, hein. Ok, le premier, c'est le vrai. Alors, le second, pour toi, c'est ta première intuition, tu dis que c'est le vrai. Et ensuite, tu as rebondi, tu dis que le premier, maintenant, c'est le vrai. Alors, Yanissa, moi, je suis perdu, il me faut une réponse. Le premier, c'est le vrai. Tu es sûr, Yanissa? Oui. Allez, tu es sûr? Oui. Je suis sûr, monsieur? Oui, je suis sûr, monsieur. Alors, le premier, c'était le vrai. Ah, c'est bon, non, tu mangeras après. Non, j'en veux encore. T'en mangeras après. Bah, donc c'était le faux qui était bon comme ça. Le faux, il était très bon. T'as vu comme quoi? Fabrication française. On peut applaudir pour la fabrication française? Eh, au dernier moment, putain! On peut applaudir pour la fabrication française? Merci. À nos enfants de la patrie, le jour de Paris est arrivé. Stop! Yanissa, on reste dans les chips. Non, vas-y, tu veux passer sur du moelleux un petit peu? Allez, sur du moelleux, allez, je vais faire du moelleux. Alors. Voilà, le paquet, il fait rep. Il fait rep. Nous avons du Brossard, petit savane au chocolat, hein. Franchement, ça, qui n'en a pas goûté quand il était petit, ouais, ou dans ça. Son adolescence, ou au lycée, ou autre. Et ensuite, nous avons, hein, sa contrefaçon, son tout ce que vous voulez, sa sous-marque, tout ce que tu veux. Nous avons les 14 mini-cakes aux pépites de chocolat, Metz Chocolat. Ah, ça c'est sa langue, ça. Ouais, ça c'est ta langue, Metz Tugzit, Metz Tugzit Chocolaté. Attends, redis. Metz Tugzit Chocolaté. Tugzit, c'est les gouttes chocolat, c'est choco. Metz Tugzit Chocolaté.
Ok. Vos langues de vaudou là. Mais après bon c'est bien, moi c'est bien qu'ils fassent des trucs comme ça pas cher, tu vois, parce que c'est, ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Attends, après, on n'a pas goûté, mais franchement, je te jure que ça a l'air attirant. Vu comme ça là, ça me donne envie. C'est pas pour toi, mais déjà les 14 mini cakes, ça a beaucoup de hein. Donc on va commencer par... Allez, celui-là. Celui-là. Hein. Yanissa, je te donne un petit bout ou tu veux quoi? Tu veux faut que je croque dedans. Je croque dedans, allez. Je me dis que ça c'est les faux. Je te jure parce que ça vraiment, ça, c'est vraiment sec. C'est sec à mort. Yanissa, tu finis. C'est même pas moi, la vie d'homme, je finis pas. Ah non, 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 ça, ah, je te jure. C'est... Je te dis ça... rien. Et celui-là. Ah mais ça mais même à l'odeur. Même à l'odeur, le ça n'a rien à voir. C'est vrai? Ouais. C'est sûr qu'ils ont mis du bon beurre et tout dedans. Ouais, c'est vrai, t'es sûr? Ouais, d'accord, ok. Écoute-moi. Ouais. Sur ma vie maintenant, que si celui que je viens de manger c'est le faux, c'est un truc de ouf. Parce que c'est la vie d'homme, que si celui que je viens de manger c'est le faux et le premier c'est le vrai, et ben la vie d'homme, après cette vidéo, je vais porter plainte contre Brossard. Mais en tout cas, moi je dis le deuxième c'est le vrai. Si c'est ton dernier mot. Dernier des derniers des derniers. Et ben je te jure que tu devrais avoir honte maintenant. Parce que là, t'es en train de t'afficher à la mort. Ok. Yanissa. Ouais. Le deuxième, c'était le vrai. Bah bien sûr. Mais bien sûr frère, bien sûr. Bien sûr. Sincèrement, t'as acheté des trucs pas chers, autant acheter des trucs de Lidl. Parce que Lidl c'est pas cher mais c'est bon. Là les trucs sous marque de Carrefour c'est vraiment wow. Ok. Suivant. Donc il nous reste tout ça. Les Mikado, Yanissa. Franchement je suis sûr que t'en as tellement bouffé que le goût normalement tu dois le connaître par cœur. Là si tu te trompes Yanissa, là tu honte à toi. Je te dis hein, honte à toi. Les Mikado de chez Lu. Et ici chocolat blanc, sont délicieux. Nous avons encore des Carrefour chocolat au lait. Melk chocolaté. Autrement dit, les sticks. Tu peux mettre ton bandeau? Franchement, j'ai juste envie de vous regarder ça. Juste regarder, s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Mais on va commencer par celui-là. C'est vrai. C'est le vrai. Comment tu sais? Il est fin. Et non, ensuite... non, c'est les petits, il est fin, il est... Ouais. Donc ensuite... C'est le faux ça. Il y a un truc à l'intérieur. C'est même pas fin, c'est pas... Mais tu sais ce qui est dangereux avec Yanissa? Elle réfléchit vraiment pas. Putain, juste à la vie. Tellement pas. Ok bah... Ah! Même le chocolat il est pas bon. Le deuxième c'est le faux. T'es sûr? T'es sûr et certain. Ma main a coupé ma main sur le feu. Ok c'est bon, t'as gagné. Ah ouais. C'est bon, on va pas polémiquer 10 000 ans. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Ah putain Yanissa, je voulais t'en faire goûter, hein, faut que tu regardes le paquet. Donc on va retourner dans le breuvage. Yanissa, c'est de là là. Yanissa, franchement... Putain, moi je t'ai pas pris des trucs comme ça dans notre vidéo. Hein. Ah j'avoue, Pima Cola, c'était chaud. Merci. Tu sais que moi, Pima Cola, j'aurais jamais bu. Hein. Nous avons ici du Tropicana, du pur jus d'orange sans pulpe. C'est du jus pressé, enfin, c'est tout ce qu'il y a de meilleur, quoi. Tous les matins, quand tu prends ça, avec des tartines de confiture. Ah, le Tropicana, c'est génial. Et nous avons aussi du orange. Ça m'a l'air d'être bon, ça, hein. Hein ouais, super. Hein. Je vais te faire goûter celui-là. Non, arrête. Je bois pas. Arrête, c'est pas ça le jeu. Mais arrête, prends une gorgée. Putain, mais pourquoi une gorgée? Du moins que je peux. Mais prends une. Oh, je t'ai mis un fond. Non, t'insistes trop, déjà, ça c'est le fond. T'insistes trop. Il a insisté trop pour que je boive. Allez, franchement, tu joues pas le jeu là. Je joue le jeu. En plus, c'est même pas le paquet qui fait le produit, mais je te jure, quand j'ai la gueule du paquet dans la tête là. Franchement, c'est comme quelqu'un qui juge avant de connaître. Fini? Ok. Il avait... Bon, ensuite... Bon, le deuxième, qu'au bruit déjà, enfin... Prends une bonne gorgée. Vas-y, tu sais quoi? Je vais tenter un truc, parce que moi je pense que t'as voulu me piéger en faisant ton petit bruit quand t'as bu là. Donc je vais dire... Tu peux regoûter le premier? Tu peux regoûter le premier, en effet. Bah tu vas goûter directement à la bouteille, hein, parce que... Yanissa, ta réponse maintenant. Allez, allez, au bout d'un moment, faut porter ses couilles, hein. Faut y aller. Bonhomme, bonhomme. Bah, si je suis mon intuition. Donc, je vous rappelle que le premier, c'était celui-ci. Pourquoi tu voulais regarder? Pourquoi t'as voulu regarder? Mais putain, j'étais malade ou quoi? J'ai les yeux couverts. Je vous rappelle que le second, c'était celui-ci, hein. Si je suis mon intuition, vas-y, du début. Bah, le premier, c'est le faux. Ok. C'est ton dernier mot? Sans certitude, mais ouais. Yanissa, le premier, c'était le vrai. Oh, putain. Non, mais je savais en plus. Tout était calculé, les. Mais allez, bois, toi, allez, bois. Je te connais, hein. J'étais eu. Mais c'est nous qui Donc, nous allons à ça, j'aimerais bien que tu goûtes. Ok. J'aimerais bien un avis d'expert. Yanissa, ici, nous avons les granolas, des cookies au cœur extra moelleux, de la marque Granola, bien évidemment. Et ici, nous avons des cookies choco fabriqués en France. On les connaît, et c'est de la Soumar. Ils sont durs comme la pierre.
Ah mais tu vas normalement tu vas trouver direct parce qu'il y a écrit moelleux, croustillant. Oh, mais ça, ils sont moelleux que quand tu les chauffes. Si tu les chauffes pas, ils sont pas moelleux. Ok, bon, on verra. On verra. Je connais. Et je vous promets que ces paquets là. C'est mon enfance. C'est Yensa, c'est tellement mon enfance. On va commencer. Okay. Je peux mettre ton bandeau. Donc on va commencer par le premier cookie. Donc j'ai commencé par celui-là, bien évidemment. Ok. Tu trouves à ton goût le cookie? Et ensuite, on a ce cookie-là. Autrement dit, le frisbee. Ah. Ouais, non, lui, c'est le faux. Lui, c'est le faux. Le premier, c'est le vrai. Bravo. Ouais, et je veux le manger. Donc. Bravo. Ouais, il est trop bon. Non, y a rien à dire. Le premier, il est moelleux. Est-ce que t'as eu un doute ou... Non. Il n'y a pas de doute, hein. Ok, d'accord. On va passer dans le salé, dans l'apéritif. Yanissa, ici, nous avons Pringles crème oignon. C'est l'un des meilleurs pour moi. Et je sais qu'Yanissa kiffe ça. Ah ouais. Et ici, nous avons les tuiles. Les tuiles de voiture, les tuiles de toilette. Ah, ils n'ont pas précisé à l'huile de tournesol. Tu as volé ou quoi? Ah, bah, dégage là. Si tu trouves, t'es quelqu'un de très, 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 très fort. On va commencer par celui-là. Là, tu sais que je suis plus dans le bluff, quoi. On a arrêté, quoi. Là, je me dis si c'est dégueulasse, si c'est bon, non, si c'est... Non, c'est pas mauvais. Et ensuite, nous avons... Là. Ah, c'est le faux. Donc, le deuxième, c'est le faux? Ouais, le deuxième, c'est le faux. Sûr et certain. T'es sûr et certaine? Sûr et certaine. Yanissa, est-ce que c'est ton dernier mot? Mon dernier mot. T'es sûr, sûr et certaine. Yanissa, tu t'es trompé. C'est faux. Tu t'es trompé? C'est faux. Dominique, montre-moi les chips. Mais les faux, ils sont meilleurs, ouais. Je suis choqué. Franchement, je suis un peu déçu parce que... Goûte, tu vas voir. Ah non, je suis déçu. Yanissa, normalement, c'est ton domaine, mais ça. Non, mais moi, je suis déçu par... Moi, je suis déçu par Pringles. Crème oignon, Yanissa, crème oignon. Je te dis, c'est quoi qui change? Dessus, on dirait, il y a plus de sel. Ouais, c'est ça, il y a plus de sel ou de goût. Ils ont plus. Pas, ouais, elles sont plus salées. Le goût, il est meilleur, vraiment. Ouais, vraiment. Il est assez bon. Mais je suis un peu déçu de toi. Hein. Putain, mais moi, je suis déçu de moi. Hein. Dans Yanissa, je sais pas, je verrai ça au montage, les points. Mais Yanissa, t'as merdé complet. Ah, mais là, c'est l'hécatombe. Un petit mot. Je suis très déçu. J'ai pas assuré dans la première mi-temps. J'ai voulu faire confiance aux adversaires. Et puis, ça a été un échec, c'est tout. Donc maintenant, l'objectif, c'est de recommencer de plus belle dans la deuxième mi-temps. Et essayer de faire des progrès tactiques sur le terrain. D'accord, mais pourquoi vous parlez de foot? Je sais pas. Ça m'a fait penser à une interview de ça à la fin des matchs. Là. En fait, tu sais pourquoi j'ai merdé? En fait, on part trop sur le principe que la sous-marque, elle est moins bonne que la marque. Exactement. Donc ça veut dire que quand tu trouves un truc meilleur, directement tu vas dire, ah bah c'est ça, c'est la marque. Exactement, exactement. Mais c'est pas bien de penser comme ça. Pas bien du tout. Parce que ça, moi, il y a des vrais trucs. Hein. Faut que j'aille prendre de l'eau. Sur ce, Yanissa, merci d'avoir participé à ce magnifique challenge. J'espère que les produits que j'ai choisis t'ont plu. Non. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram principalement, parce que sur Instagram, on est tellement actifs que même ta mère nous suit et même ton père, il nous suit aussi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, tes parents, je les laisse tranquille. Excuse-moi. Abonne-toi à notre chaîne si c'est pas encore fait. Mais lâche un pouce bleu, ça c'est important. Et ça, je te. Pourquoi je vais loin tout le temps? Je sais pas. Voilà, je vais loin, ta gueule, mes fins. Allez, mes fins. Bye. Non, 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 toi aussi tu veux trop finir là. De quoi? Dis un mot là. Bah, je vais te vomir en fait. Allez, bisous.